Pour entrer dans la salle du trésor afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute des boyards, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si des candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats de récupérer les 6 clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret potentiellement récupéré dans la citerne. Et voici qui arrive. Allez, venez, présentez-vous devant la grille de la salle du trésor, d'autant que la situation est un peu fragile, en fait. Pour l'équipe, je crois qu'Angel, tu ne me contrediras pas là-dessus, c'est que, voilà, vous n'avez donc eu tout à l'heure que 5 clés pour le déverrouillage de la grille, ce qui veut donc dire qu'elle va s'élever très peu. Et de plus, vous n'avez que 3 indices que Passepartout va maintenant vous distribuer. Alors, le tout est de savoir, soit on reste dans cette configuration-là, en sachant que vous risquez donc d'être réellement handicapé par rapport à cette grille, ou alors vous faites un échange avec l'une de ces 3 cartouches. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Je pense qu'il manque un peu de souplesse quand même, donc pour rentrer... On a gagné un peu de temps en plus. Quitte à faire après des sacrifices pour récupérer d'autres indices. De plus, en effet, vous avez 30 secondes, mais 30 secondes, c'est pas non plus énorme. Donc on prend les 7 clés. Les 7 clés, avec un indice, ça devrait suffire. Vous échangez 2 indices. C'est sûr, Marc, oui. Et on sacrifie. Après, il y aura du sacrifice. Bien, donnez dans ces cas-là 2 de vos cartouches à Passemuraille, qui va vous donner en échange les 2 clés qui manquent pour ouvrir totalement la grille. Allez-y, placez-les maintenant dans les serrures. Parfait. C'est bon. Ça va, c'est bon. Marc, c'est bon. À partir de maintenant, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Que celui, voilà, Marc, éventuellement, prépare-toi déjà pour l'ouverture de cette première cartouche. Oui, vas-y déjà. Félindra, fais rentrer les tigres. C'est parti. Allez, allez. Écho. Écho. J'y vais. Ok, sacrifice, c'est parti. Vas-y. Écho. La grille s'ouvre. Tire. Allez, deuxième cartouche, dépêchez-vous. Hein. Voilà. Écho, premier indice. Mur. Écho, mur, le mur du son, l'écho, le son. On en prend vérification. Sans vérification, sur. Vérification, troisième. Allez, un troisième. Comme ça, on est certain de ne rien perdre. Écho. Au mur. On pourrait le faire, hein, mur, c'est vrai. Oui. Son. Répartissez les lèvres. Allez, on valide. S-O-N. Ok, et la quatrième personne va dans la salle de trésor, mais à côté du David. Allez. Regardez face à vous. Regardez de l'autre côté. O-N. Face au puits. Benjamin. De l'autre côté. Face au trésor. Allez, ça tombe. Félindra, tête de tigre. Allez, on va
allez tous à la pelle. Venez. Venez par là. Passe-partout. Bien. Fini de libérer. Ça paraît. C'est pas mal. Le dernier sacrifié. Je vais d'ailleurs à ce propos demander à Passepartout de retirer les clés, bien sûr, qui ont pu être ramenées dans le chaudron, afin qu'elles ne trompent pas la pesée finale du butin récupéré. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, aux différents indices qui ont été les vôtres. Nous avons donc eu écho, car l'écho est la répétition d'un son, bien sûr, mur pour le mur du son, qui est expérimenté par les pilotes qui voient leur avion devenir instable à l'approche de la vitesse du son, et puis Louis, bien sûr, qui permet d'entendre un son. Vous avez, je pense, bien fait, sincèrement, de faire un dernier sacrifice pour être certain, parce que c'eût été trop bête, si près du but, de rater le trésor. Maintenant, qu'en est-il justement de ce trésor? Nous allons le savoir grâce à nos passes partout et passe-temps qui vont procéder à la pesée accompagnés par passe-muraille. Voyons. C'est bien. Ça m'a l'air assez lourd. Oui, quand même. Ça m'a l'air. Voyons ça. 10 990 euros. Bien, très bien, franchement. Félicitations. Non. C'est un très beau score. D'autant que vous n'étiez que 4 à l'intérieur de la salle du trésor pour récupérer tous ces boyards. Donc, très très bien joué. Vous avez fait preuve, je trouve, d'un bel esprit de groupe. Voilà, il y avait les frangins entre eux, c'est sûr, mais justement, vous n'êtes pas restés entre vous. Et je trouve qu'il y a eu une belle cohésion au sein de cette équipe. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt merci. Sur le merci. Fort. Merci. Heureux d'avoir merci partagé beaucoup. Ce moment ensemble. Salut Olivier. Au revoir Angèle. Vraiment félicitations, vous êtes vraiment bien battus tout au long de la journée. C'est donc une très belle somme qui revient à l'association, 10 990 euros. Tu peux peut-être nous réexpliquer bien comment sûr, vont oui. être utilisés les fonds d'ailleurs. Mais il existe déjà 16 villages d'enfants, donc un 17e en construction. Mmh. Et donc voilà, donc on a besoin de sous, il y en a un petit peu, 10 000 euros. Et si vous pouvez donner donc, pour les villages c'est d'enfants, permettre ça. À ces enfants de... Et que ça incite les téléspectateurs en famille, aussi également à donner des dons, ce serait bien. Exactement. Bon, et bah écoutez, je vous laisse repartir avec votre trésor. Yeah. J'aime bien quand ça se finit comme oui, ça, moi. Oui, très bonne fin de soirée à tous sur France 2. Puis je vous rappelle que vous aussi, chez vous, vous pouvez défier le fort en continuant à jouer au jeu Fort Boyard sur le site de France 2, hein, www.france2.fr. Vous pouvez dire au revoir ici à tous ceux qui vous regardent. Ciao à tous, bye bye, et à la semaine prochaine. Allez, je vous raccompagne. Ils ont marqué des points et ils ont transformé l'essai.